L'homme a toujours été fasciné par les forces extrêmes de la nature. Certains en font même un métier, comme les chasseurs de tornades. Mais aussi passionnant qu'il puisse paraître, ce métier comporte son lot de risques et les puissances de la nature peuvent se retourner à tout moment contre l'homme. Le métier de volcanologue est également très exposé. Il est rempli de revirements incontrôlables. Un seul faux pas et l'ascension d'un volcan pourrait être la dernière. Greg Johnson est l'un des meilleurs chasseurs de tornades professionnels en Amérique du Nord. Avec plus de 10 ans d'expérience, ses collègues et lui, nommés les Tornado Hunters, ont sillonné l'Amérique sur plus de 200 000 km à bord de leur camion blindé pour filmer, photographier, étudier et diffuser des informations sur les tornades. Nick Varley est volcanologue et professeur-chercheur fondateur du département volcanique à l'Université de Colima au Mexique. Il a exploré des dizaines de volcans à travers le monde pour améliorer la recherche. Il concentre aujourd'hui l'essentiel de son exploration et de sa quête de données sur le volcan de Colima, qui fait partie des volcans les plus dangereux au monde. Greg Johnson et Nick Varley sont deux fervents travailleurs conscients qu'à tout moment, un faux pas pourrait avoir raison de leur passion. Le métier de chasseur de tornades comporte une grande part de risque. La moindre faute d'appréciation peut mener tout droit à la catastrophe. Les risques d'accident sont très fréquents dans le métier de chasseur de tornades. À tout moment, un demi-tour soudain de cette force de la nature peut s'avérer fatal. Chaque année aux États-Unis, les tornades font en moyenne 70 victimes et 1500 blessés. La saison des tornades est à son summum. Aujourd'hui, Greg et ses équipiers se préparent à partir à la poursuite des tornades dans le centre des États-Unis. Je suis Greg Johnson, photographe, et mon rôle est plutôt simple. Je dois faire les photos les plus incroyables possibles. Je suis aussi responsable de la planification, c'est-à-dire savoir où nous allons et comment nous y allons. Il y a aussi Chris Chittick, le vidéaste, qui s'occupe de la diffusion en direct sur Internet et de nos vidéos en ligne. Et Ricky Forbes, qui est le conducteur. Il apprend l'art de la photographie au fil de nos déplacements. Voilà, c'est notre équipe. Nous sommes trois. En ce moment, c'est la mi-saison de la chasse aux tornades. Ce n'est pas une période très longue, 12 semaines tout au plus. Certaines années, c'est plutôt 9 ou 10 semaines. On n'a pas encore eu cette fameuse tornade, vous savez, cette tornade légendaire des prairies à laquelle on pense quand on regarde des films ou des émissions à la télé. On n'en a pas eu en plein jour. Cette tornade parfaite, immense, touchant le sol et qui donne de superbes photos. Il n'y en a pas eu cette année. Sinon, on a beaucoup de photos. Mais je ne fais pas ce métier et je ne parcours pas des milliers de kilomètres en camion pour prendre de jolies photos. Je veux faire des photos de tornades. Père de 4 enfants, Greg est bien conscient des nombreux risques associés à son activité. C'est mon métier. C'est comme ça que je gagne ma vie. Au début, c'était difficile de partir. Ça ne me dérange pas quand je suis sur la route. Le moment difficile, c'est de monter dans la voiture et de partir. Je ne crois pas que les enfants ont peur. Mais je pense que ce qui les affecte, c'est quand les gens font des commentaires. Ils disent « Votre père est fou », « Votre père... » Ils ne disent pas ça. Personne t'a jamais dit que j'étais fou ? Bon, d'accord, peut-être que j'ai menti. Ouais. Ils ne réalisent pas que je risque ma vie à chaque fois que je pars sur la route. Pour Greg, la sécurité prime avant tout, et sa grande expérience en la matière lui permet de bien prévoir tout l'équipement indispensable à l'expédition. C'est pourquoi lui et son équipe se déplacent dans un véhicule blindé hautement modifié. Ils se protègent ainsi de la plupart des risques de collision avec des débris.
Ce camion, c'est Flash. On peut compter sur lui. C'est comme un cocon qui nous protège. Alors tout ce qui se passe dans le camion doit être sécurisé. Qu'il s'agisse de conduire en direction d'une tornade ou de rester assis à l'intérieur pendant une tempête de grêle, on doit être en sécurité. Oh non! Oh non, c'est pas vrai! Ils doivent être au sous-sol! Oh, c'est terrible! Pour qu'on soit en sécurité, ce camion a été renforcé afin qu'il puisse résister à tous les imprévus. De notre immense pare-choc d'acier au toit, tout le véhicule est enduit de Line-X, une matière par balle. Lors d'une tornade, le vent peut atteindre jusqu'à 400 km/h. Alors tous les débris qui s'envolent, qu'il s'agisse d'une roche, d'un morceau de bois ou d'un pan de maison, lorsqu'ils sont dans les airs, ça peut faire beaucoup de dommages. On a aussi cette cage de sécurité. Elle est conçue pour être placée dans la charpente du camion. Si le véhicule est renversé, elle protège l'habitacle du camion, là où on est assis et où on passe tout notre temps. Elle nous empêche d'être écrasés. Malgré toutes ces précautions, le camion porte les marques de ses expéditions antérieures. Son pare-brise a été fracassé à 8 reprises. Tout comme Greg, Chris Chitik, son partenaire, a choisi d'exercer ce métier. Il est conscient des risques qu'il prend en tant que chasseur de tornades et de l'inquiétude que ressent Chelsea, sa femme, lorsqu'il part en expédition. Ma femme n'apprécie pas beaucoup ce que je fais, mais elle ne m'empêchera jamais de faire ce que j'aime. Elle pleure à chaque fois que je pars. Le problème, ce n'est pas la chasse aux tornades, je crois que c'est plutôt l'aspect sécurité. Le danger, la conduite, les longues heures passées sur la route et tout ça, c'est ce qui lui fait peur. Quand Chris n'est pas là, c'est très difficile pour moi. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Je passe beaucoup de temps à essayer de savoir où il se trouve quand il n'est pas là. J'essaie de suivre les diffusions en direct pour m'assurer qu'ils vont bien. Je crois que c'est un métier très dangereux. Je ne comprends pas pourquoi il veut faire ça. Ce n'est pas ce que je souhaiterais qu'il fasse. J'aimerais qu'il ait un travail régulier, de 9 à 5, comme les autres maris. Greg, Chris et Ricky vont parcourir environ 2000 km pour se rendre à leur premier point de destination au Texas. Mais ce trajet peut changer à tout moment. Une nouvelle alerte météo et une analyse poussée des données du radar satellite mèneraient Greg à changer de cap au beau milieu d'une chasse. Le métier de volcanologue est également une profession très à risque. Sur le terrain, les dangers de blessures sérieuses ou même de mort sont omniprésents. À l'aide de divers instruments, le volcanologue doit observer, étudier et effectuer des prélèvements, et cela sur des volcans en pleine activité. Nick Varley, enseignant d'origine anglaise, concentre depuis quelques années ses recherches sur le volcan de Colima, l'un des plus dangereux au monde. Ce matin, Nick se prépare à rejoindre ses étudiants pour organiser une expédition sur le volcan. Mais avant de partir, ce père de famille attentionné passe un petit moment avec son fils. Tu vois, c'est à cause du gaz. Celui-là provient d'une énorme éruption du volcan Colima. Tu vois, celui-ci est différent de l'autre. Alors maman t'a dit que j'allais au volcan? Qu'est-ce que t'en penses? Ça te fait peur que j'y aille? Non? Non. Parce que ça stresse maman parfois, n'est-ce pas? Mais tu sais que je reviens toujours. Je sais ça. Tu préfères celle-ci? Je préfère celle-là. La journée du volcanologue commence maintenant. Nick se dirige vers le lieu de rencontre pour l'expédition, à l'université de Colima. Le matériel scientifique est déjà préparé. Nous devons charger le camion, ce qui, j'espère, ne prendra pas trop de temps. Ensuite, nous devons aller à l'université.
La température est bonne pour cette période de l'année, parce qu'elle peut rendre les choses difficiles, alors il faut profiter du temps qu'il fait aujourd'hui. Nick a lui-même fondé le département de volcanologie de Colima. Et ses étudiants viennent des quatre coins du monde. Aujourd'hui, le volcanologue et quelques élèves graviront le volcan à la recherche d'échantillons et de données très utiles. Elles serviront aux analyses pour les prévisions d'activité volcanique et pourront ainsi aider à sauver des vies lors d'évacuations de populations vivant près d'un volcan. Le volcan est très intéressant en ce moment. Il est en éruption depuis 2013 et en constante évolution. Quand les différents éléments sont instables, il peut devenir plus dangereux et provoquer une plus grosse éruption. Du coup, c'est important en ce moment de collecter autant de données que nous pouvons. Il est très difficile d'étudier des volcans en éruption, parce que plusieurs d'entre eux sont trop dangereux pour être approchés. L'avantage que nous avons ici, c'est que ce volcan est en éruption, mais qu'on peut s'en approcher. C'est une opportunité très rare, c'est difficile de trouver ça ailleurs. Pas de temps à perdre. Nick et son équipe préparent tout le matériel nécessaire pour leur expédition sur le Colima. À cette période de l'année, nous nous battons constamment contre les éléments, parce qu'il peut pleuvoir énormément sur le Colima pendant la saison des pluies. Quand un ouragan passe, il peut pleuvoir sans arrêt pendant 3 ou 4 jours. Et ça devient impossible de faire quoi que ce soit sur le terrain. Alors on attend toujours un moment comme aujourd'hui qui nous offre une opportunité idéale. Nick n'en est pas à sa première ascension du volcan. Il connaît bien le terrain, mais devra constamment être sur ses gardes pour ne pas mettre en danger ses étudiants. Allons par là, Ricky. Quand la nature se déchaîne, les chasseurs de tornades vivent des moments intenses. Mais devant ce phénomène d'une puissance hors norme, la curiosité reste plus forte que la peur. Arrête ici. Greg et son équipe ne sont pas prêts d'oublier cette journée d'été de 2014 dans la plaine de l'État du Nebraska. Ils sont tombés sur une super tornade qui rase tout sur son passage. Les sirènes d'alerte aux tornades retentissent en ce moment, dans cette petite ville de Pilger, au Nebraska. On a cette tornade géante au sol juste ici. C'est exactement ce qu'on recherchait cette saison. C'est notre récompense, ouais! C'est vraiment incroyable! Regarde la taille de ce truc! Il se dirige tout droit vers cette ville! Regarde à gauche! Il y en a une deuxième juste là! Pour observer et relever des informations, il faut se rapprocher au plus près des tornades. Il faut oublier sa peur, mais rester toujours concentré sur le danger omniprésent. Allons-y! Allez, on y va là! Tout se joue entre risque et raison devant un pareil spectacle. Merde! Quel monstre! T'as entendu ça? Elles sont derrière ce monticule! Derrière la colline! Les tornades évoluent sur une dizaine de kilomètres en moyenne et sont larges d'une centaine de mètres. À l'intérieur, les vents sont les plus violents de la planète. Ils peuvent atteindre jusqu'à 500 km/h et dévaster tout sur leur passage. C'est pas bon! Oh, c'est pas bon. On pense que les tornades tournent comme ça. Mais c'est faux. Elles ne tournent pas comme ça, elles partent en tire-bouchon. Donc la force verticale à l'intérieur d'une tornade est aussi puissante que la force horizontale. Alors on ne risque pas seulement d'être frappé par des objets, mais aussi de s'envoler dans les airs. Quand on se trouve à l'extérieur d'une tornade, le danger, c'est le vent qui entraîne tout vers l'intérieur. Mais on sait se débrouiller avec ça. Une fois que tu te retrouves coincé dans la circulation d'air, tu risques de t'envoler dans les airs, et c'est cet aspect qui est effrayant et dangereux. «
Quand on se trouve près d'une tornade, on est soumis à un changement extrême de la pression barométrique. Une tornade, c'est un système de basse pression. Plus on s'approche de la tornade, plus la pression baisse. Et c'est ce phénomène que les gens qui se sont retrouvés au cœur d'une tornade ont vécu. Cette impression que leurs oreilles vont exploser. C'est ma passion. Parfois, j'ouvre une photo sur mon ordinateur et je ne peux pas croire que c'est moi qui l'ai prise. Je m'assois et je la regarde. Certaines photographies sortent du lot. Il y en a que j'ai prises l'an dernier à Pilger, une petite ville du Nebraska. Dans notre cercle de météorologues, on va parler de cette journée pour les 50 prochaines années. On a observé des tornades jumelles l'une à côté de l'autre. Chacune d'entre elles avait une largeur de près d'un kilomètre et elles parcouraient le sol en même temps, côte à côte. J'ai été témoin de ça, juste devant moi. Deux tornades au sol, tu veux rire? Mon Dieu! L'anticipation est primordiale pour nos chasseurs de tornades, car il suffit d'un revirement soudain de trajectoire, mal interprété, et c'est la tragédie. Allons-y, Ricky. Mais elle se dirige par là. Tout va bien. Je te mettrai jamais en danger. Avant chaque départ, Nick doit se rendre à l'observatoire de la protection civile de Jalisco, au pied du Colima. Il doit rencontrer l'équipe de techniciens qui surveille 24 heures sur 24 les activités du volcan pour s'assurer de ne pas se faire prendre dans une éruption. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, le petit groupe se lance sur la piste caoteuse qui va les conduire au pied du volcan. Mais rien ne garantit cependant la sécurité de l'équipe dans un environnement qui peut se transformer en immense piège à tout moment. Plusieurs dangers guettent les volcanologues. Explosions, chutes de roches pyroclastiques, cendres chaudes, glissements de terrain ou encore coulées de lave. À cette période de l'année, Nick doit faire face à un autre danger. Le principal danger ici à cette période de l'année, c'est la pluie, parce qu'elle se mêle aux dépôts qui se trouvent dans le haut du volcan. Elle les entraîne avec elle et forme des lares, des coulées boueuses. Ces coulées de boue peuvent devenir très épaisses et entraîner avec elles de gros débris potentiellement dangereux. Les lares coulent très souvent par ici. Là, c'est une ancienne coulée de lave qu'on peut voir devant nous. On se retrouve avec une jolie chute et des coulées de boue. Après 5 heures de montée, l'équipe atteint le plateau où se trouvent les instruments de mesure et d'analyse. Les moindres soubresauts et changements d'humeur de la montagne sont enregistrés. Cette matière provient du volcan et se déplace sur une longue distance. Du coup, on peut la recueillir facilement. En ce moment, c'est trop dangereux de s'approcher pour collecter la matière pyroclastique qui s'écoule du volcan. Du coup, c'est tout ce qu'on peut recueillir. Ensuite, on peut l'analyser pour voir si la composition du magma est restée la même ou si elle est en train de changer. Panneaux solaires, ordinateurs, enregistreurs sismiques et caméras thermiques, du matériel à la pointe de la technologie pour surveiller le moindre mouvement du volcan. Cette caméra est orientée vers le volcan. On enregistre à intervalles réguliers selon la programmation et on peut sélectionner les images d'éruption. La caméra est attachée à l'antenne parabolique qui est ici. Ici, nous avons la station radar, qui se trouve dans une boîte étanche. C'est une pièce d'équipement plutôt sophistiquée. Elle émet un signal radar assez puissant, juste au-dessus du volcan. Ensuite, si l'émission perçoit un mouvement, elle le détecte et renvoie un signal. Après avoir récupéré les données numériques, l'expédition se poursuit sur le Colima.
Aujourd'hui, l'activité volcanique de la montagne est beaucoup trop dangereuse pour la gravir jusqu'au sommet. Malgré les risques, le volcanologue et ses étudiants se rendent le plus près possible du cratère menaçant. Règle numéro 1, toujours garder une distance de sécurité avec le cratère. Car lorsqu'un volcan devient dangereux, la seule véritable protection reste la fuite. Après avoir passé la nuit dans un motel, Greg et son équipe décident de changer d'itinéraire. Les chasseurs de tornades ne savent jamais à l'avance où leur quête les mènera. On a décidé à la dernière minute de changer de direction. Alors on se dirige vers le Colorado maintenant, qui se trouve à 6 heures de route d'ici. Si on part pas maintenant, on risque de rater le spectacle. Il n'y a rien de pire que de conduire pendant 6 heures pour rater quelque chose à 5 ou 10 minutes. C'est arrivé, ça arrive. Et c'est un sentiment terrible. Nos chasseurs de tornades décident de quitter le Texas et de mettre le cap sur le Colorado où des conditions propices aux tornades se dessinent. Ils vont devoir effectuer un parcours d'un millier de kilomètres pour rejoindre le phénomène. Il n'y a aucune minute à perdre dans cette course contre la montre. Et Greg garde toujours un œil ouvert sur ses instruments de lecture. Pour être là au bon moment, un chasseur de tornades doit avoir acquis plusieurs connaissances scientifiques au cours de sa carrière. Ce côté-ci de l'écran nous donne des informations sur la direction des vents. Cet autre côté nous informe de l'intensité de l'orage. Alors ce qu'on tente de faire, c'est de trouver une tempête qui combine des pluies intenses, d'importantes chutes de grêle et des vents rotatifs. Ce sont ces vents rotatifs qui finiront par provoquer une tempête susceptible de produire une tornade. La moindre accalmie s'avère trompeuse. Sur la route des tornades, le danger survient quand on s'y attend le moins. Le fait d'avoir un orage est plutôt génial. Ce qui arrive avec ce genre de tempête, c'est qu'elles produisent des éclairs incroyables. T'as vu cet éclair? Là, il était tout près. Il faut garder ça en tête. Les éclairs m'effraient beaucoup plus que les tornades. On peut voir la tornade arriver à plus d'une quinzaine de kilomètres de distance. On peut la voir, on sait où elle sera, mais ça, il y en avait un là, et un autre là-bas. C'est pas une bonne situation pour nous en ce moment. On peut l'entendre maintenant. Écoutez, on peut entendre la grêle et la pluie tomber sur le gazon et les buissons là-bas. On peut l'entendre approcher. C'est le moment de partir. Le camion protège ses occupants des risques de collision, mais il protège aussi de la foudre. Lorsqu'ils sont à découvert, elle peut s'abattre sur Greg ou ses amis. Dans le métier, les chasseurs de tornades doivent souvent changer leurs plans. Ils sont tributaires des changements soudains de météo. La chance est un facteur important de la chasse aux tempêtes. La science, les chiffres et les mathématiques en sont également des éléments majeurs. Il y a une raison qui fait qu'on peut conduire sur une distance de 3000 km en deux jours et puis arriver quelque part au moment précis où une tornade apparaît dans le ciel. On n'arrive pas là par hasard. Dans une minute, j'espère qu'on pourra voir une tornade traverser la route devant nous. Ce qui se produit dans les nuages maintenant dépend de la chance. Je dirais que nous sommes certains à 100% d'atteindre la tempête. Mais là où la chance intervient, c'est que seulement une tempête sur 20 risque de produire une tornade. Est-ce que je l'ai eu? Où elle est? Elle devrait être ici. Elle devrait être juste là. Où elle est? Je crois que dans les deux prochaines minutes, ces routes deviendront très glissantes, très dangereuses. Et vous ne voulez pas rester coincé dans un fossé lorsqu'une tempête se dirige vers vous.
Alors, dans environ 2 à 5 minutes, il faudra penser à partir. On peut voir l'air qui est aspiré là-bas. Tout est aspiré. On voit du vert, du bleu. Ça signifie qu'il y a de la grêle là-dedans en ce moment. Il commence à pleuvoir ? Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, je crois. Tu crois qu'il faut y aller ? Greg devra encore une fois chercher une nouvelle formation de tornade. Depuis le début du XVIIIe siècle, les phénomènes volcaniques ont fait plus de 200 000 victimes. Un bon volcanologue doit toujours faire preuve d'extrême prudence. Les volcans sont sournois et peuvent rapidement devenir très menaçants. Quelques accidents fatals se sont malheureusement produits. Un couple de volcanologues, Maurice et Katia Kraft, a péri le 3 juin 1991 sur les flancs du volcan Unzen au Japon. Ils étaient reconnus pour être particulièrement téméraires lors de leurs expéditions. Pendant l'ascension du mont Unzen, les Kraft se sont approchés trop près d'une zone très risquée. À l'époque, un professeur chargé de la surveillance du volcan leur avait déconseillé la zone. Mais ils n'en ont pas tenu compte et cette fois-ci, leur fougue a eu raison d'eux. Ce n'était pas pour rien qu'on les surnommait les Volcano Devils. Jacques-Marie Bardin-Zeff, écrivain et volcanologue aguerri, a visité la plupart des volcans actifs au cours de sa carrière. Jacques-Marie connaissait bien le couple Kraft. Maurice et Katia Kraft, c'était pour moi un grand frère et une grande sœur. Bon, faut savoir que Maurice et Katia étaient de formidables cinéastes et photographes. En fait, ils étaient volcanologues, mais par le biais de leurs conférences, de leurs livres. Hein, ils vivaient de ça. Hein. Ils apprennent début juin 1991 que le mont Unzen entre en éruption brusquement, donc ils y vont. Et c'était le début de l'éruption, c'est pour ça que c'était assez trompeur, parce qu'en début d'éruption, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va faire un volcan. Donc il avait fait, ou il est en train de faire des nuits ardentes, et bien sûr, Maurice et Katia voulaient faire des images pédagogiques et scientifiques et d'intérêt général. C'était le début de l'éruption, et le volcan était en pleine surpression, et en fait, la nuit ardente qui est partie, donc ce nuage brûlant à grande vitesse, il a été deux fois plus important que prévu, il a été deux fois plus large. Donc en fait, non seulement il est passé à côté des Kraft, mais malheureusement il est passé sur eux. Donc ils ont été bien sûr tués sur le coup, asphyxiés, brûlés, emportés. Mais également, bien plus bas, sur la route, il y avait toute la presse japonaise. Il y avait donc 39 journalistes des médias japonais qui étaient là, à un endroit, on va dire, qui était considéré comme à peu près sûr, parce qu'ils étaient sur la route. Ils ont également été tués. Protéger des nuits ardentes, comme dans le cas des Kraft, aucune protection n'est possible parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que également il y a une asphyxie, c'est qu'il y a des gaz chauds brûlants. Donc même si on a une protection, les gaz vont rentrer par en dessous, par les jointures. Il y a des brûlures, il y a de l'asphyxie. Donc on peut pas, on va dire, on pourrait peut-être résister, on va dire peut-être 30 secondes, voire une minute. Mais bon, la nuit ardente, ça dure plusieurs minutes, ça recouvre tout de gaz brûlants, de cendres. C'est vrai que la meilleure défense d'un volcanologue, c'est la fuite. Ça a été une énorme émotion en France parce que les Kraft étaient extrêmement populaires. On les aimait bien, ils étaient chaleureux, marrants. Pour moi, ça a été une leçon douloureuse, mais je me suis dit, je pense que depuis ce jour-là, j'ai été encore plus prudent en me disant que je ne suis pas à l'abri d'un mauvais coup, mais je fais encore plus attention en pensant justement à Maurice et Katia. L'approche à la fois scientifique et éducative des Kraft séduisait autant les adeptes de la volcanologie que le grand public. Ils ont grandement aidé à faire évoluer cette mystérieuse science, mais cela leur a été fatal. El Reno, Oklahoma.
En 2013, cette région du centre des États-Unis allait subir les effets dévastateurs de la plus large tornade jamais observée dans ce pays. Oh les gars, vous devez voir ce qui se passe sur le radar. Nos chasseurs étaient aux premières loges. Dans le feu de l'action et sous l'effet de l'adrénaline, ils ont mal évalué le danger qu'ils couraient. Regardez la rotation au-dessus de nous, les gars. Greg, pousse-toi sur la gauche! Sans le savoir, le piège est en train de se refermer sur eux. Bien, allons-y! Cette journée aurait pu être leur dernière. Greg et ses deux partenaires se sont approchés beaucoup trop près de la formation. Allez, allez, allez! Bien, bien, allons-y! La seule fois où on a pris des décisions qui auraient pu nous mettre en danger, c'est à El Reno. L'erreur qu'on a faite, l'erreur que tout le monde a faite, c'est d'attendre trop longtemps avant de partir, alors que la tornade se déplaçait droit vers nous. Elle vient vers nous, les gars. Attendez, 2 secondes de plus, bougez pas. Alors lorsque la tornade est arrivée à un certain point et qu'on était prêt à partir, lors des 30 secondes qui ont suivi, parce que ça n'a pas pris plus de 30 secondes, l'ampleur de la tornade est passée de quelques mètres de large à 2,6 miles de large, soit environ 4 kilomètres. Ok, partons. Partons maintenant, s'il vous plaît. En l'espace d'une minute, on était tous beaucoup trop près. On a attendu trop longtemps avant de partir. Mes oreilles sont bouchées, les gars! Allez, allez, Ricky! Un gros éclair devant nous, là! Un gros éclair! On est dans le tourbillon en ce moment! On est dans le tourbillon! À l'instar de Greg et de son équipe, d'autres chasseurs de tornades venus observer le phénomène se sont trouvés également piégés. C'est pas vrai! Des débris! Des débris! Elle approche! Cette chose immense se rapproche! C'est pas vrai! Au milieu des débris qui volent dans tous les sens, ils essaient de sortir de l'enfer. You're fine, Ricky. Tu vas bien, Ricky? Continue! Pourquoi est-ce que cet homme s'arrête? Les chasseurs de tornades se lancent dans une course folle dans l'espoir d'échapper au chaos. Attention à cette voiture! Attention à cette voiture! Des caméras captent des images saisissantes de ces instants où tout peut basculer. Allez, Ricky! Allez, allez! Jesse! Allez, 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 allez! Ralenti, ralenti! Repasse déplacé de côté! Beau travail, vraiment beau travail! On est sorti, on est sorti! Va plus lentement maintenant! Ouais, ralenti, on en sort! Leur camion blindé a été fortement endommagé. Heureusement pour eux, ils n'ont pas été blessés dans cette mésaventure qui aurait pu les mener tout droit au drame. Mais certains ont eu moins de chance que les autres. La série de tornades qui a traversé l'Oklahoma vendredi a tué 13 personnes selon le nouveau bilan révisé à la hausse par les autorités. 7 autres personnes, dont 5 enfants, sont toujours portées disparues. Parmi les victimes, 3 chasseurs de tempêtes, dont Tim Samaras, l'un des plus connus dans le monde. Tim était un gars très positif et brillant, un des meilleurs chasseurs de tempêtes que j'ai rencontré. Vu l'état dans lequel on a trouvé le véhicule des Samaras et de Carl Jung, il était impossible qu'ils s'en sortent vivants. Nous chassions la tornade d'El Reno et nous étions tous les deux sur une route de terre, comme celle-ci, en descendant. Il était à environ 1,6 km derrière nous. Nous étions devant, la tornade arrivait comme ça, et elle est devenue immense, en 30 secondes à peine. Nous étions prisonniers des vents extérieurs. Nous allions à toute vitesse. La tornade nous retenait un peu, mais nous nous en sommes sortis.
mais Tim n'a pas pu sortir parce qu'il roulait sur une route de terre. Il ne pouvait pas passer par le champ car il conduisait une voiture de location. Alors il est resté prisonnier. Il ne pouvait pas sortir. La voiture s'est retrouvée projetée dans la tornade, a probablement été soulevée et projetée à nouveau. C'était très triste. Cette tornade détient le record de largeur jamais enregistré à ce jour, avec une étendue de 4,2 km. De force 5 sur l'échelle de Fujita, ces vents dévastateurs ont atteint 475 km/h. La tempête d'El Reno était une monstruosité. Personne ne sait pourquoi c'est arrivé. En 30 secondes, elle est devenue plus large d'environ 3 km. Ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire. Tim était le gars le plus prudent que je connaissais en matière de chasse aux tornades. Il n'aurait pas essayé. Sa zone de sûreté était probablement à environ 1,5 km d'une tornade. Mais ce jour-là, quelque chose a mal tourné et il n'a pas survécu. Non. La force colossale et dévastatrice de la tornade d'El Reno a malheureusement emporté avec elle la vie de ces passionnés de phénomènes extrêmes. Nick et ses étudiants sont maintenant arrivés dans l'une des crevasses du volcan. Eh bien, nous sommes maintenant au fond de cette section du ravin, le ravin de San Antonio. C'est un peu dangereux ici. Il faut être prudent parce que ces parois sont très instables et les pierres peuvent tomber facilement. Nick n'en est pas à sa première visite sur le Colima. Mais malgré sa grande expérience, il sait que chaque ascension comporte son lot de risques. Très très vite, on peut se retrouver avec des chutes de boue et des lahars qui coulent par ici. Ils se forment très rapidement quand il pleut et peuvent se transformer en pièges mortels. Comme vous pouvez le voir, il y a peu d'endroits pour s'échapper. Du coup, il y a peu d'issues, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut être très prudent. Le groupe ne peut pas s'attarder sur ce terrain trop hasardeux. Chaque minute est comptée. Il doit se rendre à un point d'observation au milieu du volcan pour ériger le campement. Et ce, avant la tombée du jour. Si la lave des volcans n'est pas le plus grand des dangers pour les volcanologues, elle peut occasionner de graves séquelles. Nick le sait bien, il en a payé le prix lors d'une expédition sur un autre volcan. En plus de celui de Colima, je travaille sur deux ou trois autres volcans. L'un d'entre eux s'appelle l'Isla Socorro. J'y étais il y a quelques années pour mesurer le champ magnétique. Je transportais sur mon dos un appareil avec une antenne. À un moment donné, je me suis mis à marcher dans de la boue qui était un peu chaude. Je me suis dit, je vais plutôt marcher sur ce terrain plat là-bas où il n'y a pas de boue. Mauvaise idée. J'ai fait un pas et malheureusement, le sol était recouvert d'une couche d'environ 1 cm d'épaisseur qui cachait une boue brûlante en dessous. Alors mon pied s'est retrouvé dans cette couche de boue brûlante, plutôt épaisse, mais assez liquide, pour recouvrir et s'infiltrer dans ma botte. Je ne pouvais rien faire. Malheureusement, j'ai tenté d'y mettre l'autre pied pour récupérer celui qui était dans la boue. J'avais du mal parce que j'étais dans une pente. À ce moment-là, je n'ai pas réalisé la gravité de ce qui se passait. Cette boue était à 92 degrés et entrait dans mes deux bottes. Je me suis assis, j'ai enlevé mes bottes, puis mes chaussettes. Au début, j'avais pas mal, mais peu de temps après, j'ai ressenti une intense douleur puisque mes pieds étaient gravement brûlés. Les brûlures que je me suis faites à ce moment-là sur une partie de mon pied étaient des brûlures au troisième degré. Pour chaque excursion, le volcanologue doit optimiser sa présence et recueillir le maximum de données. Leur campement installé, Nick profite de la soirée pour capter des images infrarouges à l'aide de sa caméra. On peut lire une température d'environ 47 degrés en ce moment au sommet. En raison de la distance, les pixels sont plutôt gros. Ça veut dire que la température sera beaucoup plus élevée que ça. Je peux voir plusieurs points chauds. En fait, vous pouvez voir qu'une coulée pyroclastique est passée par ici, probablement dans les derniers jours. Elle a laissé une belle empreinte chaude jusqu'en bas du volcan. Pendant toute la nuit, l'équipe devra se relayer pour surveiller les moindres changements du volcan en activité.
À tout moment, elle pourra ainsi lancer un appel de détresse et rapidement évacuer le site. Sur les routes du Kansas, les chasseurs de tornades poursuivent leur traque. En ce moment, on se dirige vers des orages qui se sont formés au Kansas. On doit pratiquement traverser l'État en voiture. Il y a des risques de tornades aujourd'hui, mais en ce moment, on ne voit rien qui puisse présager d'une tornade au sol. Nos aventuriers doivent maintenant se rendre le plus près possible de la perturbation atmosphérique. Lors de grosses tempêtes soudaines, les routes deviennent particulièrement dangereuses pour les automobilistes. T'as été poussé hors de la route ? Non, je suis simplement arrivé trop vite. Je ne voyais pas ce qui était sur la route. Les cours d'eau longeant les routes débordent rapidement et rendent la conduite très compliquée. C'est bon. Dérapage et embardé, tout peut arriver. Greg et son équipe ont souvent à intervenir pour aider les gens en détresse. Je te dirai quand ce sera le bon moment. Dirige-toi vers la droite. Cet homme conduisait sur cette route et... Regardez ça, l'eau s'écoule de sa voiture en ce moment. Il a roulé dans l'eau. Ce sont des inondations éclairs qui peuvent être aussi dangereuses que la tornade, sinon plus. Comme vous pouvez le voir, il conduisait sur cette route à une vitesse normale et soudainement, toute cette rivière, ce ruisseau, a inondé la route. Il a roulé dans l'eau. Son véhicule a fait de l'aquaplaning et il s'est retrouvé dans le fossé. Heureusement, ce fossé n'est pas très profond. Mais vous pouvez imaginer ce qui aurait pu arriver s'il s'agissait d'un ravin ou si la rivière était plus grosse. Peut-être qu'il serait sous l'eau, vous savez. Alors c'est effrayant, mais heureusement, je crois qu'il va bien s'en tirer. D'accord, les gars. Passez une bonne journée. Oh non! Après une longue journée de chasse aux tornades, les Tornado Hunters sont en route vers leur hôtel. Leur journée n'a pas été des plus fructueuses, mais soudain, la chance leur sourit. Waouh, tout un spectacle de lumière. C'est génial. Combien de fois ça nous est arrivé de nous dire « On a fini pour la nuit, fermons tout ça » et puis, boum, on voit apparaître une alerte de tornade dans le noir. Une nouvelle alerte météo se déclenche, les informant d'une possible formation de tornade. Et ce, tout près de leur position. La rotation est ici. On est là. On se trouve directement au nord. Mais elle bouge. Traquer une tornade de nuit peut s'avérer très risqué. Et Greg le sait bien. Il fait noir. On voit seulement quand il y a un éclair. On se trouve sous la grêle et de fortes pluies en ce moment. Ce n'est pas très sécurisé. Ricky est inquiet parce qu'on ne veut pas se retrouver au milieu d'une tornade la nuit. Alors ce qu'on va faire, c'est surveiller le radar. Et avec un peu de chance, dans quelques minutes, elle va passer juste devant nous. La pluie va cesser et on pourra avoir une bonne visibilité. S'il y a une tornade au sol, avec ces conditions, on pourrait avoir une chance de la voir. Mais Greg doit parfois prendre quelques risques. Il est toujours à la chasse aux meilleures images de tornades. C'est sa passion et son métier. Laisse-moi voir. Tellement près. Merde. Wow. Tornade. Où? À 2 heures, au sol. Un tube entier. C'est un tube entier qui s'étend jusqu'au sol. Magnifique. J'appelle pour faire état d'une tornade au sol. Les chasseurs traquent sans aucune visibilité. Ils pourraient à tout moment se retrouver à l'intérieur même de la tornade. Il n'y a plus d'électricité. Toute électricité ? Non, on n'était pas assez près pour apercevoir des débris. Mais c'était un bel entonnoir qui s'étendait jusqu'au sol.
Il n'y a plus d'électricité à Plains non plus. Il y a de très très forts vents qui nourrissent cette tempête. Non, l'entonnoir est plutôt étroit. Au cœur de l'action, Greg contacte les services d'urgence pour les aviser en temps réel des développements du phénomène. Ça va? Je pense pas, mon ami. C'est quoi le problème? Ne bouge pas. Ne bouge pas. Elle vient de passer. Elle vient de passer. La tornade est passée près de nous? Ça s'est éclairci juste devant nous. L'électricité est revenue à Plains. Ça veut dire que... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ouais. Et on est juste à l'ouest de Plains en ce moment. On croit que la tornade ou des vents très forts... La tornade bloquait la lumière. Il n'y a pas eu de panne de courant. La tornade se trouvait entre nous et Plains. Regarde dans cette direction, Ricky. Est-ce que c'est ce que je pense, là? Non! Merci beaucoup. Oh mon Dieu! Va te faire voir! C'était trop près. Là, ici, elle est là. Elle est là. Elle est là. On y est. À 11h. À 11h, Ricky remonte. Vas-y. Oui, j'y vais. Les dangers sont nombreux et guettent toujours les chasseurs de tornades. Sur le terrain, chaque décision est importante, car un simple faux pas et l'expédition pourrait s'avérer être la dernière. Le Colima reste imprévisible. Le volcan est actif et les signes des mouvements qui s'exercent en profondeur sont observables sur les flancs. Au cours des dernières heures, une coulée est apparue. Nous nous trouvons maintenant à environ 2 km du volcan. Comme vous pouvez le voir, il y a des chutes de pierres qui surviennent constamment. Alors je dois être très prudent. Je dois être prêt à courir au cas où une pierre viendrait à tomber. C'est important de récolter un bon échantillon de cette coulée pour l'analyser et voir s'il y a eu des changements dans la composition du magma. On peut voir la différence dans ces pierres, juste là. Regardez celle-ci. Nick décide de retourner là où il a disposé ses instruments de mesure et d'échantillonnage. Mais il craint le pire. Son matériel a cessé de transmettre ses données au moment même de la dernière coulée. Ici, on peut voir la station radar, juste après le passage de la nuée ardente. Comme vous pouvez le constater, la station, l'instrument en fait était juste ici, à l'intérieur d'une boîte de métal. Alors ça va. Voici l'antenne parabolique. Elle a été tordue et elle s'est brisée. Elle a été fracassée par de larges pierres. Vous pouvez voir que la peinture a été brûlée, comme plusieurs des arbres alentour d'ailleurs. Nick sait qu'il court de grands risques à chacune de ses expéditions. Mais son but est justement de trouver les méthodes les plus fiables de prédiction d'éruptions volcaniques. Il y consacre toute son énergie. C'est tout ce que je peux transporter. Alors je retourne me mettre en sécurité. Le Colima, surnommé « volcan de feu », peut exploser à tout moment et causer d'importants dégâts aux populations avoisinantes. Ciudad Guzmán, une ville de plus de 97 000 habitants, est située tout près du volcan. Il est difficile de sensibiliser ses habitants aux dangers potentiels du Colima. Plusieurs d'entre eux se sont habitués à la présence de ce volcan qui partage leur quotidien. C'est une réaction plutôt typique. La première réponse qu'on reçoit, c'est qu'il n'y a pas de crainte. Les gens n'ont pas vraiment peur du volcan. Mais quand on leur demande « Êtes-vous certain que rien ne peut arriver ?», ils répondent « Eh bien non, je ne sais pas vraiment ». Alors je crois que de nombreuses personnes essayent simplement de ne pas y penser pour continuer à vivre leur vie. Dans ces villages, la majorité des gens sont pauvres. Les catastrophes naturelles ne sont pas leur préoccupation majeure. C'est plutôt de vivre au quotidien en n'ayant pas assez d'argent. En réalité, avoir un peu peur serait sans doute une bonne chose.
La situation est problématique quand il y a une importante éruption et qu'il faut évacuer les gens. Les gens ne sont pas très heureux de partir et ils doutent des motivations de ceux qui ordonnent l'évacuation. La situation idéale, je crois, en ce qui concerne n'importe quel volcan, serait que la population locale soit un peu effrayée. Comme ça, si les autorités disent « nous devons évacuer », ils le font. Le gouvernement doit toujours rester en alerte pour évacuer rapidement la région en cas de catastrophe. Nick désire survoler le Colima pour prendre quelques clichés et observer les activités du volcan sous un autre angle. Il peut être très risqué de s'aventurer en avion trop près du cratère, en pleine activité. La chaleur intense et les projections de débris pourraient causer bien du tort à l'appareil et à ses occupants. Ils doivent être très prudents et ne pas rester trop longtemps au-dessus du Colima. C'était un succès. Nous avons réussi à voir un nouveau développement du dôme, parce qu'il s'étend maintenant vers le nord, ce que j'ignorais avant le vol. Nous avons vu un rocher tomber, ce qui est une bonne façon de prouver que le dôme s'étend, qu'il est actif et qu'il atteint maintenant le bord du cratère. À présent, on devrait commencer à observer de plus en plus de chutes de pierres chaque jour du côté nord. L'expédition terminée, Nick peut maintenant rassembler toutes les informations recueillies sur le terrain. Elles lui permettront de réaliser plus précisément le modèle thermodynamique du volcan. Ce modèle permettra d'anticiper et de mieux prévoir les activités volcaniques du Colima. Les métiers de chasseur de tornades et de volcanologue sont des professions qui ne peuvent s'exercer sans passion. Grâce à elles, Greg et Nick surpassent leur appréhension face aux puissantes forces de la nature. S'ils acceptent de prendre autant de risques pour eux-mêmes, c'est qu'ils savent que leurs informations seront capitales pour protéger les populations en danger.